Et bonjour à toutes et à tous, Moussaillon, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates Quartermaster. On continue notre aventure avec notre, pas capitaine, hein, notre quartier maîtresse pirate. Et on était toujours à la recherche d'une carte, on était un petit peu dans le mal niveau voile, hein, parce que ça avait pas mal souffert lors des combats. Mais par contre, on avait énormément de ressources. Il faudra qu'on essaye de trouver une ville où poser tout ça à l'occasion, ou vendre tout ça. En attendant, on essayait d'atteindre notre emplacement de carte, et au niveau du vent, bah c'était un petit peu le drame. Hein. Combien on a de personnes au gréement? 4 personnes au gréement, malgré ça, le vent dans le dos, ça fait mal aux fesses. Il va falloir que le vent change de direction, là, parce que sinon, on va galérer. On n'a plus du tout de tissu, donc on ne peut pas réparer, on est condamné à avancer. On va essayer, si on peut, de convaincre le capitaine ne pas attaquer des bateaux qui seraient pas à voile, dans l'espoir de pouvoir leur piller un peu de tissu. Alors, une fuite a rempli les compartiments du fond. L'humidité a endommagé la coque et appauvri l'hygiène. Une partie de la nourriture qui était présente a pourri. On a perdu un peu de vivre. C'est pas très grave. Et on peut partager le butin. Ça me va. Ça va enlever un peu de poids. Alors, on a 1750 de primes. Hein. Ça pique. Ça va pas faire du bien au moral, ça. Il va vraiment falloir que je fasse signer une chasse partie avec moins de primes, hein, parce que bon, ils sont gentils, 1000 d'or pour une jambe perdue, mais ça fait 124 or la part après, hein. Ça fait un peu mal aux fesses. Bah c'est parti, hop, hop, en avant. T'as perdu ta jambe gauche, mec, et bah voilà, tu peux pouvoir la refaire en or, la jambe gauche, à ce prix-là. C'est parti. La petite prime pour repérer le navire, ça me va. C'est pas trop cher, et puis ça donne un peu de motivation. Par contre, ouais, l'autre, c'est juste pas possible. Ouais, une nouvelle chasse partie, carrément. Carrément une nouvelle chasse partie. Les primes, là, c'est pas possible. Baissons ces primes, là. Intérêt de l'équipage, bas. Bah ouais, machin, hein, mais... Alors, on va mettre un petit peu plus pour ça. Si je mets une part supplémentaire pour les officiers... Non, l'équipage est pas fan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire monter? On baisse un peu ça. On passe à moyen dans les deux cas, ouais. On est là pour s'enrichir aussi, hein. Voilà, on va donner un petit peu plus d'or aux chirurgiens. Pour l'instant, de toute façon, on n'en a pas. On peut majorer ça, mais de toute façon on les paye à chaque fois, ça change rien. Si on met pas puni, non, ils sont pas fans de pas avoir de punition. Hein. Et là si on leur met des coups de fouet, non. Bon, bah, on va pas les punir s'ils jouent aux cartes, c'est pas très grave. Si on condamne à mort un marin qui vole, hein, si on lui met des coups de fouet... Ça change pas grand chose. Dans l'objectif, c'est de baisser les primes. On va proposer 13 votes pour. Parfait. Alors, on va pouvoir avoir des primes, des parts beaucoup plus intéressantes. Plus que 300 d'or pour une jambe perdue. C'est dommage qu'on vient juste de partager le butin. Mais c'est pas grave. On a une belle signature là. DS pour Demoiselle Sabine. On commence à être nombreux. Faut que tout le monde signe. On voit qu'ils savent tous écrire. Personne ne fait de croix. Ça fait plaisir. Alors, pof, on a quelqu'un qui glande, on n'a qu'une seule personne au gréement. Alors, reprenez vos positions déjà, on va commencer par ça. Donc on a une personne qui nettoie, une à la vigile, une à la barre, une au canon. Toi tu es une timonière, à la barre on a quoi? Un musicien. Bah du coup non, toi tu vas aller... Alors, toi tu vas aller au gréement par exemple. Et toi tu vas à la barre. Toi t'es une musicienne, toi t'es un chauffeur, tu nettoies, toi t'es une chauffeuse, tu vas aller aussi nettoyer un peu, parce qu'on a eu une perte d'hygiène, hein, malheureusement, à cause de ce petit problème de fuite. On va enregistrer les positions, et on va regarder un peu comment ça donne, le vent. Ouais, on arrive à avancer un peu, avec un peu de bol, si on a un vent qui va dans le bon sens, au prochain quart, on pourra arriver à l'emplacement du trésor. C'est parti.
Ah, et on a un nouveau gabier. Nous avons vu une ombre remonter des profondeurs. Elle a fini par se changer en baleine, dont les vents a émis un geyser qui a arrosé le pont. Les marins l'ont harponné dans la foulée, nous ont trouvé des vivres et du combustible. Super, on va pouvoir reprendre des vivres, on en manquait, ça tombe bien. Puis on va prendre le charbon, hein, vu qu'on a un emplacement de vide, ça coûte pas cher. Par contre, ouais. C'est toujours la dèche de tissu. C'est l'heure de filer à manger. On a un moral très haut. Et 15% d'alcool dans notre flotte, mais elle commence à être vieille, hein. C'est ça le vrai problème. L'alcool, ça désinfecte un peu, mais bon, ça va pas faire de miracle non plus, je pense. On est un mec qui est assez verdâtre. Je vois que je regarde ça. J'ai l'impression qu'on a des trous dans notre bateau, non? Ouais, j'ai l'impression qu'on a un peu des trous dans notre bateau là. Va peut-être falloir mettre des gens en réparation. Sortez-moi cette voile. Toi, si je te mets en réparation, tu répares. Ah oui, complètement, tu répares. Putain, on a des trous dans notre voile. J'avais pas fait gaffe. Et le vent est de nouveau tout pourri. Fait chier. Bon, tant qu'avoir un vent tout pourri, on va envoyer un autre aux réparations. On a du bois en plus à foison, donc autant en profiter. Celui qui était verdâtre, toi, t'es souffrant depuis un quart. Il était où l'autre? Je l'ai vu tout à l'heure. Souffrant depuis un quart, ça va. Les deux là, ils sont verdâtres, mais ils sont malades depuis un quart. Après, on a foison de médicaments, hein, mais bon, on va attendre de voir s'ils guérissent. Un quart, ça va, c'est pas critique. Toi, t'es verdâtre? Non, t'es pas verdâtre, toi. Au niveau des armes, on était comment? Toi, t'as un poignard. Ok, on va voir si on te met autre chose. Ok, tout le monde est au minimum armé. Force médiocre, faible résistance, mauvaise défense, mauvaise tireuse. Nous, on est devenu une bonne tireuse, hein, mine de rien. Bonne défense pour lui. On va lui filer une hache. Et on va avancer. Ah, on a un nouveau boot. Parfait, ça c'est cool. On va pouvoir mettre éventuellement quelqu'un d'autre au poste de. Au gréement. Mais non, mais décidément, ça veut pas. Hein. C'est impressionnant comme le vent nous chasse, quoi. Ah, là, on arrive à y aller là. Voilà, c'est pas mal ça. On a un petit peu le vent de côté. En tirant des bords, ça passe. Qui c'est qui glande? Il y a des gens qui glandent. Aux réparations. Ah oui, d'accord, vous avez fini. Toi t'es un coq musicien et toi t'es une musicienne. On va mettre une personne de plus au nettoyage et toi tu vas aller t'occuper des armes. Pour l'instant le nettoyage est pas trop mal. On va enregistrer comme ça. Et c'est parti, on devrait réussir à arriver jusqu'à notre petit truc. Nous avons trouvé une étrange fontaine naturelle au milieu d'un îlot paralysiaque. L'eau était d'une rare clarté et dégageait une puissante odeur minérale. Des marins se sont risqués à la goûter. Certaines de leurs blessures ont disparu sous nos yeux. Quoi? Nous avons alors tous profité de ces bienfaits. What? Sérieux? On a perdu des blessures? Non, pas de blessures. Genre, ils ont eu des jambes qui ont repoussé et tout? Tu bluffes. Bon, déjà, ça a pas enlevé leur maladie. Pas de blessure. 4 blessures. Je sais pas exactement ce que ça a fait. Peut-être que si on avait eu des blessures en attente, ça aurait fait quelque chose. Mais ouais, ils commencent à être souffrants un peu tous là. J'espérais éventuellement trouver du tissu, mais c'est un échec. C'est lui que je veux là. Ouais, souffrant aussi. Souffrant, il commence à. Ouais, il faut vraiment qu'on trouve. Faut vraiment qu'on trouve une ville, hein. De préférence par là. Donc on va partir bah plein sud-est. Plein sud. Sud-est, c'est bien sud-est. On va essayer de redescendre vers les pointes, là, voir s'il n'y a pas une ville d'endroit qui nous détesterait pas trop. Au niveau. Ah, là, on est quoi? À la barre, on a notre timonière au gréement. Matelote, gabière, musicien, gabier.
À la vigie, on a une musicienne et les deux chauffeurs, ils stoppent le nettoyage. Bon bah, allons-y. Tac. On avance quand même bien avec notre voile blessée. Il nous faut une ville là. Il nous faut une ville. 8 votes pour la ville. Bah oui, oui, clairement, il nous faut une ville. On va continuer d'avancer vers là. Ça me va bien. En avant. Le pavillon bleu. Pourquoi pas. J'ai rien contre, a priori. Allez, avec un peu de chance, on va être capable de détecter une ville en arrivant là. Sinon, il faudra qu'on fasse le tour. Je me demande, hein, les endroits où il n'y a pas de nom, là cet endroit n'a pas de nom, je pense que ça veut pas dire que c'est genre un truc désert quoi. Ça expliquerait pourquoi on a trouvé qu'une seule ville tout là-bas. On va pas pouvoir y retourner, hein, c'est trop loin. J'aimerais bien aussi y retourner avant que nos mecs malades deviennent vraiment malades. Toi tu souffres depuis 5 quarts, faut vraiment qu'on te file un médoc. Toi aussi. Alors, ils vont faire un peu la tronche parce qu'on va pas donner du médicament à tout le monde, mais à un moment... Alors on a discuté avec Afezub Tadmek, elle m'a avoué ne jamais avoir aimé la mer, qu'elle trouvait que l'horizon sur l'océan était toujours identique. En revanche, elle a ajouté que sans la mer, elle n'aurait jamais réalisé à quel point elle aimait la terre. Intéressant. C'est ma foi fort philosophe hein, tout ça. On peut lui donner un sobriquet. Alors c'est vrai que vous m'aviez demandé de mettre des sobriquets selon les viewers. Donc du coup, on va l'appeler Amine. Puisque c'est une femme en l'occurrence. Hein. Donc Amine, tu t'appelleras Amine avec un E pour changer un peu. Oui, on a trouvé une ville et c'est des rouges. Et les rouges nous aiment relativement bien. On va donc aller y faire un tour. Alors on se pose pas de questions. On avance. J'ai pas trouvé la cloche, voilà. Touche entrée à ma rescousse. Nous sommes arrivés à J. Nous mouillerons 3 quarts. Non, il faudrait qu'on fasse 5 quarts au moins. Bon d'accord, je vais voir ce que je peux dégoter en ville. Alors, c'est vrai qu'ils devaient faire un duel. On règle leur litige dans la première étape, celle du pistolet. Dabuk a gagné en faisant couler le sang en premier, Ajup est mort sur le coup. Ok, bah on a perdu un chauffeur du coup. Bah je préfère ça qu'avoir perdu le timonier, hein, même si bon, j'aurais préféré perdre personne. On va en profiter pour distribuer alors de l'eau complètement croupie. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis, hein, on va faire avec. En plus il fait jour, on devrait pouvoir aller parler à la marchande cash. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider la flotte. Clairement, ça c'est... Il n'y a pas de truc. En plus on dirait qu'ils sont spécialisés en tissu dans le coin. Point fort, tissu et bois, parfait. Il nous faut du tissu, machine. Plein de tissu. 4 tissus, c'est tout ce que tu peux nous donner. Pourquoi tu peux pas nous en donner plus? Parce qu'on n'a pas d'or, c'est ça? On n'a pas d'or. On a que 500 d'or. On a que 500 d'or, ok, pas grave, on va vendre des trucs, y'a pas de problème. Alors, on va vendre par exemple du charbon. C'est pas hyper cher, mais c'est pas grave. On prend quand même. On prend 6 tonnes de tissu. Les vivres, on va en vendre un peu. L'alcool aussi, on va en vendre un peu. Tout ça pour prendre un petit peu plus de tissu. Du bois, on en a encore quand même beaucoup. Des boulets, on en a énormément. Le charbon, si on pouvait le liquider quasiment. Voilà, on l'a liquidé quasiment. Les vivres, on en a pas tant que ça non plus. Hein. On va essayer d'en garder 5. J'hésite, c'est ce que je garde un compartiment de 8. Ça pourrait être intéressant de garder un compartiment de 8. Là on va avoir un compartiment de tissu, c'est ce qu'on a besoin. Un compartiment de bois, c'est nos besoins primaires, hein, donc les grands compartiments à 8, qui sera plein de tissu, plein de bois. L'alcool, on peut s'en débarrasser un peu. On a 14, on peut en garder que 5 ça. Hein. 7, ça fait 14, 8. Après, faut qu'on déplace 25 tonneaux là si on fait ça.
garde vide de comme ça. Le charbon, on s'en débarrasse. Pour l'instant, vous allez voir qu'on va tomber sur un navire à charbon, un navire à vapeur hyper intéressant à piquer juste en sortant. On pourrait vendre le métal aussi, mais ça ferait 30 tonnes. Hein. Enfin, 30 tonneaux. Allez, on va partir là-dessus. Hop, c'est parti. Alors, il faut du monde pour porter. Au dock. Il nous faut du monde au puits aussi. Au dock. Au dock. Au dock. Au dock. On garde juste une personne pour nettoyer. Est-ce qu'on a des gens intéressants à recruter? Un gabier et un matelot. Combien on est? Ah, il nous manque quelqu'un pour un quart, c'est bien ce qui me semblait. Hein. 9 femmes et 8 hommes. On pourrait prendre un gabier de plus. Hein. Ça fera pas de mal. Allez. Viens donc par là. Tu t'appelleras Malvin. Et puis bah du coup tu vas aller bosser au dock. Hein. C'est parti pour commencer. Il y en a combien au dock là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, 12. Ok, on va faire la moitié déjà. C'est pas mal. Quasiment la moitié. Là on remplit notre puits. Toi pour l'instant non. En termes de stockage du coup. On va avoir du boulet. Notre charnier on va se remplir. L'alcool est là. Les vivres on va mettre sur place nette. Le charbon on le jettera peut-être. Le charnier je me tâterais bien de le mettre là. Non, ça, c'est intéressant quand même de le garder. Alors par contre l'alcool... Ouais. On va peut-être libérer un truc, mais il nous en manque un si on fait ça. Ouais. Il nous en manque un. Donc pour l'instant, on va faire ça comme ça. On a normalement, on va avoir 8 du tissu, un bon compartiment de tissu à prendre. On verra au prochain quart. C'est parti. Je devine qu'une partie des navires coulés par nos canons aurait dû avoir des survivants, car une fois arrivés en ville, j'ai entendu parler de nos faits et de relations que nous avions bouleversées. Ah. Ah, on est passé en A à battre côté bleu. Très bien. On va essayer donc de commercer avec les rouges. On va essayer d'éviter les rouges si on peut pour devenir aimable avec eux. Parce qu'il me semble que... Alors je peux pas le voir tant qu'il est pas là, mais l'objectif du capitaine c'était de... C'est pas lui qui est derrière avec son chapeau bizarre là? Non, je crois pas. Il me semble que l'objectif du capitaine c'est de devenir pote avec des... Comment? Avec des personnages. Donc on va essayer de faire en sorte de devenir pote. On pourrait presque mettre une infirmerie, on verra si on a assez de place. Le charnier il se remplit. 1,6 tonneaux par puits. Ok, ça va. On devrait être bien, je pense. On a terminé déjà le coup des... On a terminé de tout ranger. Alors presque dommage que le marchand soit parti, parce que j'aurais bien fait un nouveau truc. Alors toi t'es au nettoyage. Toi t'es au gréement. Ah oui, c'est vrai que du coup maintenant qu'on a du tissu on peut réparer les gréments. Au gréement. Je veux que des gabiers au gréement. Donc toi tu vas au puits. Toi t'es un timonier, toi t'es un pêcheur. Toi t'es une musicienne, une matelote. Coq musicien. Est-ce que ça vaut le coup qu'on pêche? Donc là on a bien notre truc de tissu plein, notre charnier qui se remplit, on a deux emplacements vides, donc on va pouvoir mettre une infirmerie, ce qui sera cool. Ça va pas faire de mal. Le charnier va se remplir, on va mettre un petit peu d'alcool dedans pour aider, même deux tonneaux d'alcool dans le charnier parce que ça les rendra heureux. Hop. Ce qui veut dire qu'on a deux gabiers qui travaillent sur les voiles. Un qui nettoie. Deux qui nettoient. C'est ça, hein. Deux qui nettoient, c'est pas mal. Et deux qui glandent. Donc ceux qui glandent,
On va en envoyer un. Ah, il reste un truc à ramasser sur les docks, j'avais pas vu. Allons-y. Il va terminer. Et toi, tu vas aller. Bah, aux réparations, il n'y a rien à faire. À la pêche, ça sert à rien. Ça sert à rien. On dit, hein. On n'est pas plein niveau vivre. Donc ça pourrait quand même être intéressant d'avoir un petit pêcheur. Allez, on va le mettre à la pêche. Ça entretiendra la forme. Parti, réparez-moi cette voile. Est-ce que je peux avoir mon petit rapport? État d'agrément 92%. 0 de tissu, un quart pour un gabier. Parfait. Médecin, on n'a pas de médecin. On n'a pas de charpentier. L'hygiène est très bonne. Qualité de l'eau sans risque. Parfait, parfait, parfait. Alors, par contre, ils sont toujours pas. Ils sont toujours pas très, 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 très en forme, hein, nos mecs. On va claquer du médoc. On a une infirmerie maintenant, donc ça va, c'est plutôt cool. On a toujours le matelot là, mais on va pas le recruter, pas besoin. Alors, qui glande? Où sont nos gabiers? Malvin le gabier, bah tu vas aller terminer les réparations des gréments. Toi, la timonière qui est complètement beurrée, au nettoyage. Toi tu vas au canon. Toi tu vas aux armes. Amine. Alors normalement on a dit hein, il suffit d'un seul 0,2 de tissu et un quart pour un gabier. Parfait. Donc il va terminer tout seul Malvin, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment cool d'avoir un Bosco hein, de pouvoir faire ça. On va mettre une personne de plus aux armes et une personne de plus au canon. Ou alors peut-être à la musique. Allez, à la musique. Voilà une petite flûte. Jouer de la flûte avec des crochets. Ça doit être tendu. Je sais toujours pas à quoi sert notre trident là. Peut-être que ça nous donne des bonus cachés. Je ne sais pas, peut-être qu'on en saura plus un jour. Mais tout est visuel dans le jeu, donc s'il est là, c'est qu'il doit certainement y avoir un truc. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres pièces. Allez, c'est parti. Le capitaine est rentré de sa quête, un outil sous le bras, après l'avoir déposé avec ceux de sa catégorie, il est venu me voir pour m'annoncer que nous avons récupéré un marteau à clous. D'accord, donc on a un marteau pour éventuellement avoir plus de gens en réparation, j'imagine. On va prendre le pavillon rouge, oui, tout à fait, on porte le pavillon rouge au milieu des rouges, ça me paraît pertinent. Tu as écrit dans le livre du savoir. Zone géographique, le monde se découpe en plusieurs climats subarctiques plus productifs en charbon et bois. Ah, c'est ce que nous disait la tavernière là. Ah, c'est vrai que je clique plus souvent dessus en fait, elle nous donne des informations. Donc il y a du climat aussi dans le jeu. Intéressant. Donc il y a des zones subarctiques, j'imagine plutôt en hauteur. Donc ces villes là nous détestent, hein, y a pas de problème. Niveau des vivres, ça se remplit petit à petit. Le charnier, il est plein, parfait. Est-ce que j'aurais pas des rôles à mettre? Alors maintenant, c'est réglé le bug là qui faisait qu'il y avait un petit bug visuel qui faisait que les rôles étaient un petit peu bizarres. Donc on va mettre au gréement, on a nos gabiers, on est d'accord. Hein. Gabiers. Au gréement. Ouais, non, là, ça va pas ça. Toi, tu vas au gréement. On a combien de gabiers? 5 gabiers. Donc, on peut mettre 5 gabiers au gréement normalement. Voilà, on a un mec qui a la vigie. Toi, tu vas à l'infirmerie par exemple. Toi, tu vas au gréement. Alors, on aura 5 personnes au gréement pendant les combats. Ça va être très très cool. Toi, tu vas aller à la vigie. Toi, tu fais rien. T'es un timonier. Mais on a déjà un timonier à la barre. Hein. On a que 7 personnes au canon, ça va pas. Ce qui veut dire que si on veut quelqu'un à l'infirmerie. Ah non, on a toi, t'es à la musique, on s'en fout. Donc toi, tu vas à l'infirmerie. Un petit musicien à l'infirmerie, parfait. Comme ça, on a 8 personnes au canon, donc 4 canons fonctionnels. 5 personnes au gréement, une personne à la barre, une personne à la vigie, une personne à l'infirmerie. On est très très bien pour les combats, honnêtement. Est-ce que ça sauvegarde quand je clique comme ça?
Complètement. Ça sauvegarde complètement. Parfait. Et alors, par contre, pour ce quart, qu'est-ce qu'on fout? Au puits, mais notre truc est plein, donc toi tu fais rien. Au gréement, mais y'a rien à faire. Et des gens qui font rien. Nickel. Toi tu vas te reposer, y'a pas de soucis. Alors, en avant, toi tu vas aux armes. Toi tu vas au canon. Au canon. Au nettoyage, au puits. Au canon, voilà, on est au maximum là, on entretient 3 canons, 2 armes, un mec qui pêche, 2 qui nettoie, pas de tôle d'araignée qui pop, et on va acheter le sabre à 60 d'or pour équiper notre nouveau personnage. Tu me diras, on a ce qu'il faut. Malvin, on va lui filer un mousquet. Il sera très bien avec un mousquet. Et toi, tu vas prendre un sabre avec ton poignard. Et toi, on n'a aucune info sur tes forces au combat, donc tu vas garder ton poignard pour l'instant. Et toi, t'es quoi? Force médiocre, mauvais tireur. Bah, tu vas garder ton poignard, du coup. Marc, on peut, vu la quantité de poignards qu'on a, on peut complètement donner deux poignards. Hein. Déjà, c'est la classe de poignard. Et en plus, si jamais ils en cassent un, et ben, ils peuvent continuer de se battre. Vu qu'on est en train d'entretenir les armes un maximum, on va être parfait. C'est parti. Alors, on pourrait chercher une des cartes. Hein. 9 votes pour le navire. Ah, ce sera le navire. Très très bien. On va reprendre les positions. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 personnes au gréement, une personne à la barre, une personne à la vigie, une personne au nettoyage seulement. Ça me va, on enregistre, on va mettre 5 personnes au gréement, on va pouvoir avancer. Où est-ce qu'on va? Il faut qu'on trouve un navire, on va continuer d'essayer d'explorer cette zone, on va essayer de pas, si on peut, attaquer des rouges. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Allez, c'est parti. En avant les gars, on a des canons au petit taquet. Ah, c'est déjà l'heure de te filer à manger. 38% d'alcool quand même dans notre... dans notre flotte, les mecs ils vont être beurrés à pas quoi savoir en faire. Mine de rien, les vivres ça commence à dépoter, hein. Il va peut-être falloir qu'on pêche. Reprenez vos positions les gars. Il est où notre pêcheur? Il est à la vigie. Non, tu vas pêcher. Parce que là mine de rien, un niveau de bouffe, ouais on a entamé un tiers de notre nourriture quoi. Ça reste acceptable, on va dire. Ça reste relativement acceptable. Alors, déjà, on va ouvrir les voiles. Ça, c'est... Ensuite, toi, t'es un peu beurré, tu vas aller à la vigie quand même. Je sais pas si il va pas se vautrer. On a 3 personnes. 2 qui nettoient, ça me paraît bien, vu qu'on est nombreux quand même, d'en avoir quelques-uns qui nettoient. Une personne à la barre, t'es bien un timonier. Là, gabier, matelot, gabier, timonier. On n'a pas un gabier qui glande là? Non, non, effectivement pas, tant pis. On est resté avec 3 gréements. On va descendre un petit peu plus au sud, surfer avec la tempête peut-être. Pour essayer de continuer de découvrir la zone. C'est parti. Il y a une embrouille, les mariens ont pu éviter que leurs deux consoeurs s'arrangent le portrait sur le navire, on ne se bat pas sur un navire. Amine et Aguianucus régleront ça par un duel une fois en ville, à Diantre. Une gabière et une musicienne. En plus, elle s'attaque au mousquet. Ah ouais, mais non, mais Agua a été beurrée aussi, il tient un peu l'alcool. Là. Forcément. Forcément. Bon, on est un petit peu dans le mal là, avec notre bateau. Il y a un petit peu trop de vent. Va peut-être falloir qu'on se calme sur les gréements là. 3 personnes au gréement, ouais. Ouais, faut qu'on sorte de la tempête là. Alors j'aimerais quand même bien qu'on aille toujours au sud, mais on va baisser un peu la voile. Hein. Voilà, on va se calmer un peu. On va avancer tranquillement. Ouais, si on va regarder cette direction là. Allez, c'est parti.
Ok, notre voile n'a pas été endommagé, qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais rien. Ah, peut-être parce que quand la voile est comme ça, tu sers à rien. Bon, c'est parce que t'es absolument pas au gréement, ok. Reprenez vos positions les gens. Un à la barre, la musicienne à la vigie, la chauffeuse beurrée au nettoyage, on est 5 au gréement, mine de rien. C'est propre. On va aller un petit peu plus au sud pour se rapprocher de cette pointe. J'espère qu'on n'a pas raté une ville dans le coin là, on pourrait y aller. Hein. Ouais, on cherche un navire. Hein. Pour l'instant on cherche pas forcément des villes. Mais j'aimerais bien cartographier toute la map, donc on va quand même aller au sud-ouest un petit peu. Alors de préférence sans trop se vautrer dans le. D'accord, quand je baisse ma voile, je vais encore plus vite. Ah mais il y a un système, on a vraiment moyen de tirer des bords en fait, quand on baisse la voile, qu'on oriente la voile et qu'on a le vent de côté, on va plus vite. Putain, ce jeu est beaucoup trop précis pour moi, je suis vraiment un marin d'eau douce, c'est pas possible quoi. Ouais, on se vautre là, hein. On est d'accord. Hein. Donc on va aller par là. Tant pis, on va tirer des bords par là. On va voir si on arrive à choper un navire. Si cette île est vraiment déserte, de toute façon... Ah, on a un nouveau gabier. Et on a vu un vaisseau, un pavillon gris, parfait. Un canon à vapeur. Moins armé, moins d'équipage. Par contre, une ligne de flottaison basse et un vent à deux nœuds. Ça va être compliqué. Mais on a beaucoup de personnes au gréement, donc ça reste jouable. Alors, on vise les machines, des boulets ronds, feu... Il va en panner. On recharge. Faut vraiment qu'on se débarrasse de ces machines hein, parce que. À couvert. Allez, rechargez-moi ça. On voit qu'il va très très vite avec ses. Avec notre vent tout pourri là. Si je fais ça, ouais, on perd en vitesse, on est d'accord. À couvert les gars. Rechargez. Ça y est, boum, à couvert. Ça laisse le temps au moins au canon de refroidir. À couvert. Visez la coque, rechargez les gars. Ah, ils sont plus rapides que nous, en même temps ils ont un tout petit canon, hein, ça joue. Recharger à couvert. Feu. Allez, ils se rendent. Alors, en même temps, nos canons commencent à être. Enfin, avec la quantité de canons qu'on a. Coulons le navire, ces chiens nourriront l'océan. Ils ont rien d'intéressant. Hein, non, ils ont rien d'intéressant. Ça vaut pas la peine de prendre le bateau. Ils ont des petits canons. Je devrais en vendre peut-être quelques-uns des canons. Ça fait quand même un bon. Récupérer l'eau, vieille de 3 quarts, c'est cool. On se refait quelques boulets, c'est parfait. Le charbon, bah on va le prendre vu qu'on a un compartiment pour. Hein. L'or, bien sûr. Les vivres, l'alcool. Le métal, on est plein. Et ça vaut pas le coup, je pense, de virer l'infirmerie. On a déjà largement assez de matière commerciale. Piège a été réalisé en bonne et due forme. Et on va prendre notre pavillon. Ah, il y a une ville ici. Ah, puis en plus c'est une ville pirate. Bah prenons. Ouais, carrément. On prend notre pavillon, on va faire un tour à la ville pirate. Qu'est-ce que vous en pensez? On va baisser un peu la voile. Voilà, on va en ville. Du coup, on a réussi notre objectif. On a droit d'aller, glander. Hein. Pourquoi t'es jamais au gréement, toi? Ah, il est monté dans les gréments, trop bien. Cet épisode est suffisamment long, il faut que je m'arrête, hein, je me laisse prendre au jeu. On va s'arrêter là pour cet épisode, du coup j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez rejoindre l'équipage également. Parce que je vais essayer de donner des sobriquets quand je pourrai. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.